La carte de la transparence suite à la détection mercredi dernier d'un faux positif et d'un faux négatif parmi des tests de dépistage de Covid-19, dont les prélèvements avaient déjà été effectués et analysés il y a une dizaine de jours. Cette découverte a poussé le centre hospitalier à rechercher l'origine de ces anomalies. Plusieurs hypothèses. La première, comme ça arrive régulièrement, les patients, et j'insisterai beaucoup sur ce point, les patients peuvent être négatifs puis positivés leur PCR, le test diagnostique, au fur et à mesure des jours. Donc c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il peut y avoir des failles dans le système. Cette faille peut être de plein d'origines possibles. Elle peut être d'origine technique et on n'exclut pas une faille d'origine humaine, de manipulation. Une analyse interne complète de la procédure a été engagée par le CHT, qui a également demandé l'ouverture d'un audit extérieur par la DAS. A noter que les tests mis en œuvre sur le territoire, du même type que ceux réalisés entre autres en métropole, ont une précision allant de 70 à 90% selon le stade évolutif de la maladie. Malgré ces limites de sensibilité connues des tests, les équipes médicales ont néanmoins réaffirmé l'importance de la poursuite des dépistages ainsi que du respect du confinement. Toute personne présentant des symptômes doit se rapprocher de son médecin traitant ou du 15 pour en bénéficier. A noter qu'à ce jour, quelques 1700 tests ont été réalisés depuis le 18 mars dernier.